Riu Lake Anle. No, this place is out of hand. Après avoir réglé le problème de Pumba avec le scanner, nous voilà repartis en direction du lac de Tsomoriri. Heureusement que nous avons pu le régler à ce moment-là, car nous arrivons vraiment dans une région où Internet et les villages se font très rares. Nous passons par plein de paysages différents. Ces grandes plaines aux couleurs changeantes nous émerveillent, entourées de montagnes toutes différentes les unes des autres. Passant de routes en béton à celles en pierre, nous ne croisons pas grand monde, mis à part les travailleurs qui construisent les routes. Qu'est-ce que t'as trouvé comme fromage? Du fromage de yak. Et ça ressemble... Et c'est le coup à la raclette. Mais vraiment, la texture, le goût, oh, terrible. La raclette malaisanne de yak. Ouais, totalement. Et puis, on s'est fait des petits sandwichs avec. On s'est fait aussi des croque-madame avec. Et là, on va se faire des pâtes à la sauce tomate et fromage râpé. Ça fait combien de temps, chérie, qu'on n'a pas mangé de fromage râpé avec des pâtes? 2 mois. 2 mois, c'est énorme pour nous. C'est beaucoup trop. Mais ici, il n'y a que de la mozzarella congelée en morceaux. Et on a déjà testé une fois, c'est vraiment pas bon. C'est le meilleur fromage de yak, hein? Oh oui. Je vous conseille, si vous aimez la raclette, achetez du fromage de yak. Après, je ne sais pas s'ils font que du dur ou... On ira à la laiterie, on essaiera de trouver. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une laiterie. Bon, c'est pas trop dans la direction qu'on va, ce sera à notre tour. Oui. Et il paraît qu'il y en a une au Népal aussi. On va faire le stock de fromage au Népal. Elle est bonne. C'est pas une bolognaise, mais elle est bonne. Ah, et ça, c'est pour notre petite copine la souris. Alors j'ai mis des petits bouts de fromage. Et puis ça, ce sera pour l'eau. C'est sa petite gamelle. Oui, tous les soirs, je lui mets à manger. Et tous les soirs, elle mange. Et Tim, il se fout trop de ma gueule. Bon, on est venu faire à manger à l'intérieur, parce que dehors, il y a un vent à décorner les bœufs. Et puis, on est beaucoup mieux à l'intérieur de la cellule, quand même. Ah oui. C'est pas top au niveau de l'humidité, là. Ça va faire le sauna, bientôt. Ah, voilà. Ah. C'est mieux, hein. Du coup, c'est peut-être pas top au niveau de l'humidité pour l'intérieur de la tente, mais il va pas geler cette nuit, donc on va s'en sortir. Voilà, on est pas bien là. C'est trop bien qu'on puisse faire à manger dedans. On est arrivé de nuit, bien sûr, encore une fois. Ouais. Pour les petits problèmes. Il fait combien? Ça va, non? Il fait pas froid. Il fait genre 10 degrés. 10 degrés là. Ça va. Bah, il fait meilleur que les 6 degrés qu'on a eu cet après-midi, hein. Ouais. Miam, miam, miam. Et notre lit va sentir bon les pastas. Ok. On peut tourner la table? Ouais. Ça chauffe, mon amour? Ouais. Bon, normalement, je crois que c'est jusqu'à 3500 mètres. Là, on est à 4500 mètres. Donc, on contrôle le... Ça, c'est pour pas qu'on meure.
crois que c'est pour pas qu'il y ait du CO, enfin monoxyde de carbone. Et normalement, bah, si on a une mauvaise combustion du pétrole, bah, ça va en créer. Bon, on a un exhaust là-dessus qu'on lève les mauvais gaz. Là, on devrait juste avoir le chaud qui vient. Mais vu qu'on est à 4500 mètres, bah, faut quand même contrôler que ça brûle bien le pétrole parce que autrement, on restera là à jamais. Et on se réveillera plus. On se réveillera plus. Non. Et là, c'est notre petite chambre. Tadam. Avec notre nouvelle couverture. Ah. Et demain, tout ici. Je vais mettre des petites lumières. Du coup, bonne nuit. Le lac de Tsomoriri, une merveille cachée du Ladakh en Inde. C'est un lac de la nature brute et de la tranquillité des hauts plateaux himalayens. Situé à une altitude de 4522 mètres, ce lac d'eau douce est le plus grand de haute altitude en Inde. Il s'étend sur 28 km de long et 8 km de large. Ses eaux cristallines passent du bleu profond au turquoise, offrant des vues à couper le souffle. La région est habitée par les nomades Shangpa, dont le mode de vie traditionnel est centré sur l'élevage de yaks et de chèvres. Hi. Where are you going? Ryu Lake, Anle. No. This place is out of band. Sorry? Please go back. Why? But we asked the army. This place is a military area. Oh, but we asked the army and they say you can go to Shurme, Ryu, Anle. It's not allowed? You will can go bad village. This way? This way is not village. So? Yeah, back, go back. I can back? Go to Shurme? Yeah, you can go back. Oh, bridge left side. Ah, on doit passer par là. Ah, okay. Yes. And then, if I go... if I go other side, I can go to Shurme, Anle. Yes. It's possible? That village. That way. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Oui, mais on peut, mais on doit juste passer par l'autre route. Je suis pas sûr que ça existe, je n'ai pas de réseau. Et puis ça va faire combien de kilomètres en plus? C'est ça la question. Bon ben comme prévu, on a essayé, pas pu, on a essayé d'aller direction Shurme et on s'est fait bloquer par les militaires. Du coup on peut pas accéder à Anle via les pistes off-road et les petites pistes de montagne et tout, refusé. Du coup là, on a passé le barrage juste après, enfin juste en revenant du barrage, on est tombé sur un Suisse en moto avec sa copine belge. Et du coup on va reprendre la route principale avec eux jusqu'à une autre ville. Oh là, il vient de passer. Miaou. Et on va quand même essayer d'accéder à ce magnifique lac de montagne où on voulait aller, la Ryu Lake Chiling Tso. Et du coup on va aller sur la route principale, manger un petit truc, et puis après passer par une autre route quoi, on verra. Au revoir joli lac du coup. Ouais.
depuis le lac de ce matin, on est redescendu à Neuma sur la route principale. On a été manger à la cantine de la base militaire, vu que c'est tout ce qu'on a trouvé sur la route. Et on a demandé si on pouvait aller au lac qu'on voulait aller ce matin, mais par une autre route d'accès. Il y en a deux qui m'ont dit oui. Ça m'étonnerait. Voilà, là on s'est engagé sur la route, mais on verra à partir de quand on va se faire bloquer. Du coup, on va essayer de faire le col à 5000 là, puis redescendre sur le magnifique Chiltao. Et la bouffe, ouf. La bouffe militaire, il y avait des samosas, c'était très bon. Les momos, ils étaient pas ouf, quoi. Mais ça a rien coûté. Pour 4, on a payé 3 francs. Voilà. Nous croisons beaucoup de Kyang, l'âne sauvage tibétain, une créature majestueuse des hauts plateaux de l'Himalaya. Avec sa robe brun-roux, ses grandes oreilles et sa crinière courte, le Kyang est parfaitement adapté au terrain rocailleux du Tibet, du Ladakh et du Népal. Il vit en troupeau et parcourt de vastes distances à la recherche de nourriture. Pour les nomades Changpa, cet animal symbolise leur patrimoine naturel et culturel. Ils ont essayé de construire un pont un jour ici. Peut-être. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup fonctionné. Oh, ah oui. Ça peut emporter quoi. Ah oui. A plus le pont. Ah, ça m'avait manqué, bébé. De quoi? Bah, les routes comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, c'est trop. J'en avais marre du goudron. On est là-bas en haut, tu crois? Oui, on est là-bas en haut. On va serpenter. Ouf. Bon, ça, c'est, tu vois, tous les tours autour là. Bah, nous, on va tout droit. Ok, ok. Allons tout droit, mon amour. Checkpoint. On a croisé des entraînements de tanks, mais ils nous ont laissé passer. On verra à la descente. Mais on va arriver au lac où on devait arriver. Waouh! Oh, c'est beau! C'est dingue! T'as vu le nuage sur la montagne là-bas? C'est dingue! Sortir et de marcher à 5000 mètres. Oh, et de faire des plans comme ça, et j'ai couru comme une
teubé. Mais c'est vraiment pas le truc à faire. Mais c'est trop beau. Ah, faut qu'on marche un peu plus là, parce que... Hein, les poumons. Et c'est très joli. Et j'étais de nouveau en train de me choper un coup de soleil de la mort qui tue. Ah, mais ça va vous changer, être un peu plus rouge. Et je vous éblouirai un petit peu moins avec ma blancheur de petite Suisse, là. J'ai même pas filmé ça, j'étais focus sur la rivière. Putain, y a de ces trous. En fait, moi je fais les plans. Mais t'as ça m'a traversé la rivière. Oh. Bon allez, c'est parti. Si je chope pas la mort avec ton gelé. Pardon. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des jolies images? J'ai plus de pieds. Ils sont frigorifiés. Oh. Allez, tu peux le faire, mon amour. Comme ça fait plaisir de faire un col avec de la vraie piste. Là on est à 5200 mètres, dès qu'on va passer le col on va arriver au lac qui sont de l'autre côté. Et enfin quelque chose qui n'est pas goudronné ou mis avec du gravier, parce que même si tu regardes des vidéos, tu cherches des itinéraires d'il y a 2 ans, tu dis ok ça va être la piste, ça va être magnifique, et bam t'arrives, l'armée ils ont fait un billard lisse. Du coup on galère à trouver des belles pistes de 4x4, mais celle-là était magnifique. On va arriver au lac et on espère qu'il n'y aura pas un poste de l'armée de l'autre côté pour nous dire que... Il faut retourner en arrière. Qu'on n'a pas le droit d'être là. Oh non, c'est beau. Et cette fois, on n'a pas été dans la voiture. Est-ce qu'on est à... Ah, t'as pas regardé, attends. Oui, on est à 5002. On est à 5002, la voiture elle tourne. Comme ça, elle ne me refait pas le coup au démarrage du capteur barométrique. Et on est parti pour la suite.